père de quatre grands garçons, Zinedine Zidane leur a transmis son talent à la naissance puisqu'ils sont tous devenus d'excellents joueurs de foot. D'après les informations du journal L'Équipe, la sélection d'Algérie s'intéresserait à l'un d'eux, qui ne semble pas fermé à l'idée. Il y a certaines familles où le talent se transmet de génération en génération et s'y estie exactement ce qu'il s'est passé pour Zinedine Zidane. Le champion du monde a eu la chance d'avoir quatre garçons, qui sont tous devenus d'excellents joueurs de foot à leur tour. L'aîné, Enzo, est d'ailleurs celui qui se rapproche le plus de son père dans le jeu et après un tour du côté de Rodez, Aveyron, l'année dernière, il est rentré en Espagne l'année dernière. Devenu papa pour la première fois, il semble très heureux à Madrid avec sa femme, Karen. Les deux plus jeunes, Théo et Elias, sont encore dans les équipes de jeunes du Real Madrid, le club de leur père et on a déjà hâte de savoir s'ils deviendront de grands joueurs, comme Zinedine Zidane. Le deuxième fils de la légende, Lucas Zidane, est un peu différent des autres puisqu'il a choisi de se tourner vers le poste de gardien de but. Un rôle très particulier dans le football et après avoir fait lui aussi ses classes dans le club de la capitale espagnole, il évolue désormais à Eibar, un club de deuxième division espagnole, qui se bat pour monter en Liga. Le jeune homme a été suivi par les journalistes du journal L'Équipe afin de connaître le quotidien du beau gosse de 25 ans, qui réalise actuellement la meilleure saison de sa carrière. Un niveau de jeu qui attire forcément les convoitises et comme le révèlent nos confrères, Lucas Zidane a été contacté par la sélection algérienne pour savoir s'il était intéressé par l'opportunité d'enfiler le maillot des Fenecs. Une sélection rendue possible par la nationalité algérienne des parents de Zinedine Zidane, qui est lui né à Marseille. J'arrive à maturité dans mon jeu. Il y a beaucoup de choses qui sont encore permises, déclare le gardien de but, qui ne ferme donc pas la porte à une éventuelle arrivée dans la sélection algérienne. Très ambitieux, le fils de Véronique Zidane a d'autres projets en tête et ils concernent notamment sa patrie de naissance. J'aimerais connaître la Ligue 1 un jour. Si est-il un objectif, comme celui de croire au bleu. Je suis ambitieux. Je suis un compétiteur. Je sais ce que je veux, conclut-il. Alors, Lucas Zidane un jour avec le maillot de l'Algérie? L'espoir est permis.